Alright tout le monde, je suis Justiner, et puis aujourd'hui je voulais vous partager quelque chose avec vous dont je suis fier. Donc aujourd'hui, Dr. Disrespect a partagé une vidéo concernant le Doctober. Le Doctober c'est quoi? C'est une compétition dans le fond que Dr. Disrespect fait. On doit se déguiser au Doc, puis on doit prendre une photo ou faire une vidéo, et puis l'envoyer sur Twitter, hashtag Doctober. Après ça, ben, il choisit laquelle photo qui est la plus belle ou la vidéo. Puis il y a trois positions. Puis les trois positions, chaque position gagne des prix différents. Donc en gros, c'est ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas y participer? Parce que j'avais acheté le costume officiel sur son site. Puis il est sold out, by the way. Fait que je sais pas s'il va être disponible un jour ou l'année prochaine. Mais c'est la veste que j'ai. Et puis je me suis dit, pourquoi pas participer au concours? Donc c'est la première fois que je participe à un concours de cette ampleur. Et puis, heureusement, je suis dans sa vidéo, man. Puis je suis quand même assez fier parce que quand on regarde les discussions dans le fond de la vidéo, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont pas participé. Comme par exemple, lui qui a dit « Je vais vous pardonner dans le fond pour pas avoir mis ce gars-là dans la vidéo du Doctober. » Fait que là, on peut scroll, puis il y en a plein qui se sont, tu sais, qui ont dit « Ah, c'est dommage, je suis pas dans la vidéo, ou je suis pas dans, tu sais, ou il y en a qui sont contents, sont dedans, il y en a que oui, il y en a que non. » Mais on est quand même beaucoup qui participent à ce concours-là. Et on a peut-être une centaine, man. Il y a une bunch de photos puis de vidéos, man. Puis, moi, je suis dedans, puis je trouvais ça fucking, j'étais fucking fier. Juste le fait que il ait vu la photo, ma photo, ça y est, assez cool pour être dans une vidéo qu'il a faite. Je suis comme « Wow, c'est malade, tu sais. » Fait que... Moi, j'ai envoyé trois photos, ok? Là, j'explique gros début, là, c'est juste pour vous mettre dans le contexte. Mais moi, j'ai envoyé trois photos. Attends, j'essaie de trouver mon profil parce que je suis pas habitué sur Twitter, là. Je me suis fait un Twitter juste pour ce concours-là, là. J'ai rien fait, là. Donc, j'ai cette photo-là que j'ai envoyée. Et puis, elle. Elle, je la trouve vraiment nice aussi. Puis, je savais pas lesquelles envoyer. Donc, j'avais ces deux-là. Puis, par la suite, j'ai envoyé une... sans le montage. Ça, c'est juste la photoshoot. Puis, c'est ça. Puis là, vous allez voir, une des trois photos a été sélectionnée pour le concours. Donc, on va aller vérifier ça ensemble, man. Là, man. Ça va être nice. Doctober. Yeah. Donc, et voilà, man. Et là, ma photo. Donc, ça, c'est la photo qui a été sélectionnée pour la compétition. Puis, ce que j'aime, c'est que ma photo est pas dans le coin, dans un petit coin comme ça, tu sais, full petit qu'on voit pas, là. Elle est comme dans le centre de l'écran. On la voit parfaitement, man. Donc, je trouve ça vraiment cool, man. C'est la première fois, genre, que je fais une compétition, là, puis je me fais remarquer, mettons, tu sais. Parce que, ben, je dois avouer que j'ai jamais participé à des compétitions non plus. Je suis tout le temps, tu sais, je me dis tout le temps, bah, je gagnerai pas tout. Je me dis, ah là, why not, tu sais. Puis, le fucking là. Juste le fait, ma photo. Elle a été remarquée puis mise dans une vidéo. Ça me touche, man. Je suis comme, ah oh, yes, j'ai déjà gagné là, pour moi. Là. C'est déjà une petite victoire, tu sais. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'était juste ça que je voulais partager avec vous. Un petit côté de fierté puis tout. Je trouve ça nice. Un petit update sur ma compétition. Qui dit, les soumissions qui ont été à un next level, mon chum. Donc là, il reste une semaine au Doctober avant d'annoncer le grand gagnant. Donc, et voilà. J'espère que vous avez apprécié, man, quand même, cette petite vidéo-là courte, mais c'est tranche de vie, esti. Donc, disons, on se retrouve sur des prochaines vidéos.
Donc, restez à l'écoute. À la prochaine. Ciao.